à toutes et à tous. Je m'appelle Manon Quentin, j'ai 24 ans et je travaille auprès des enfants. Je suis une citoyenne engagée depuis plusieurs années. L'éducation, l'écologie et le handicap sont mes priorités. C'est pourquoi je suis candidate de la France Insoumise dans la première circonscription du Maine-et-Loire. Mon engagement politique a commencé il y a un an. À l'occasion des présidentielles, j'ai vu une nouvelle façon de faire de la politique à travers la construction de l'avenir en commun. Cette manière de faire de la politique était en rupture avec ce que j'avais pu voir dans le paysage politique français. C'est grâce à la participation de 3000 contributeurs de tout horizon que l'Avenir en commun est le programme le plus abouti, prenant en compte toutes les difficultés qui se posent aujourd'hui dans notre société. Le constat est simple, 4 urgences majeures sont à dépasser aujourd'hui. L'urgence démocratique, l'urgence écologique, l'urgence économique et l'urgence de la paix. Notre programme a pour objectif de privilégier l'humain, faire en sorte que chacun puisse vivre avec dignité, tout en respectant notre planète. C'est pourquoi, avec une majorité de députés insoumis à l'Assemblée nationale, il sera inscrit dans la Constitution qu'il n'est pas possible de prendre à la planète plus que ce qu'elle ne peut restituer. Sur la première circonscription, Jean-Luc Mélenchon a obtenu plus de 18% des suffrages exprimés. En gardant cette dynamique ici et ailleurs, nous pouvons nous maintenir dans plus de 400 circonscriptions au second tour. L'objectif dans les dernières semaines est donc de rester mobilisés et de convaincre autour de nous. L'opportunité d'une alternative aux politiques menées ces dernières années est trop grande pour la laisser passer. Nous comptons sur vous les 11 et 18 juin pour les élections législatives. Allez, viennent les jours heureux et le goût du bonheur.